Bonjour à tous, voici la vidéo, je vous montre quel matériel photo j'ai utilisé et quel type de réglage j'ai choisi, donc au moment crucial de prendre la photo. C'est un boîtier Pentax, alors là c'est le K3, je vous montre avec le K3, mais à l'époque j'avais le K20D qui m'a donné entière satisfaction et aujourd'hui j'utilise le K3. Alors je vous montre l'objectif, c'est un objectif donc macro. Il bénéficie d'une grande ouverture puisqu'il l'ouvre à 2,8. C'est une focale fixe, donc ça veut dire qu'on ne peut pas zoomer. Il faut s'approcher au plus près du sujet. D'où, donc je vais l'enlever maintenant, le pare-soleil, pas besoin. Voilà l'objectif, c'est un Sigma. Alors, la petite option sympathique sur cet objectif, en fait, vous voyez que la bague, en fait, a deux positions, et on peut la mettre en manuel ou en autofocus directement sans passer par le boîtier, donc qui permet aussi, par ce bouton-là, de passer en mode manuel ou en mode autofocus. On peut tester l'autofocus. Alors dans le cas des papillons qui bougent beaucoup, c'était pas la peine. Hein. Moi, je suis resté en manuel pour pouvoir très vite utiliser la bague tout près du papillon, voilà, pour avoir la netteté au moment où je voulais shooter. Donc dans le cas de la serre à papillon, enfin dans le cas où il y a des insectes qui nous tournent autour, le mieux c'est de se trouver à la même hauteur qu'eux. Un peu comme si notre papillon voulait prendre la photo. Les photos en plongée, contre-plongée sont à éviter, sauf si c'est notre intention et que le fond s'y prête, ou que la position du papillon s'y prête, etc. Mais là, c'était mi-hauteur, donc il fallait. J'étais en position souvent à genoux, et j'attendais que les papillons se posent autour de moi. Voilà. Il faut être très patient et très, très observateur hein, dans ce cas-là. Alors au niveau des réglages, donc j'ai fait le choix de régler donc ma molette de mon réflexe sur donc la position priorité ouverture AV en face du petit repère noir ici, et la valeur je l'avais mise à 6,3. Cette valeur d'ouverture du diaphragme est considérée comme bien ouverte, ce qui entraîne une faible profondeur de champ. Et donc, grâce à cette valeur, on va créer un léger flou artistique. Et ça, c'était bien dans mon intention. Derrière le papillon, je voulais que le fond soit légèrement flou, pas entièrement. Je voulais aussi qu'on reconnaisse, en fait, on aperçoit une barrière derrière, avec un peu de végétation, et ça c'était mon intention photographique. Alors au niveau des ouvertures, un petit rappel, on considère qu'une ouverture à partir de 8, voilà, on peut la considérer comme fermée, qui commence à être fermée. C'est-à-dire qu'au niveau de la profondeur de champ, on va avoir la plupart, enfin tout va commencer à être net, hein, à partir de 8, puisqu'on ferme le diaphragme. Alors, tout dépend également de la distance qui sépare les différents plans. Dans le cas du papillon, la distance était faible. La distance entre le papillon et la barrière, donc cette fameuse barrière derrière, était environ de 2 mètres, on va dire. Alors, en position AV, c'est-à-dire priorité ouverture, la vitesse, là on va passer à la vitesse, c'est donc réglé. Là, vous voyez, je suis à ouverture 8, la vitesse se règle à 1 sixième de seconde. 1 huitième, 1 sixième de seconde. Voilà. Dans le cas du papillon, j'étais à 1 350ème de seconde. J'ai pu bénéficier de cette grande vitesse, puisque la serre à papillon était baignée dans un joli puits de lumière, donc aucun problème de luminosité. Alors, 1 350e, c'est donc une vitesse de déclenchement, ou on appelle aussi d'obturation rapide, ce qui suppose que la lumière n'aura que très peu de temps pour atteindre le capteur. Et donc, là aussi, si la lumière frappe très vite le capteur, il n'y a aucun risque de flou.
Là aussi, pour rappel, on considère qu'une vitesse à, allez, on va dire 1, commence à 1,40. Donc, voilà, 1,40, 1,30, vous voyez, cette vitesse est supposée être lente. Donc là, il ne faut absolument pas bouger, sous peine de voir apparaître un flou de bouger, ce qu'on appelle un flou de bouger, soit un bouger du sujet, soit un bouger du photographe. Alors ce jour-là, j'ai encore une fois bénéficié d'une forte lumière ambiante, et donc j'ai pu utiliser cette vitesse assez rapide. Alors, vitesse rapide, on commence à 1,350, 1,500, 1,000, 1,500, c'est vraiment des vitesses très très rapides qu'on utilise, par exemple pour les courses de voitures, le sport, en fait, tout ce qui bouge très vite. Alors, au niveau de la sensibilité du capteur, voilà ce qu'on voit ici, j'étais à 200, mais j'aurais pu descendre aussi à 100, hein. Ça aurait pas changé grand-chose au niveau de la sensibilité du capteur. Donc je n'ai pas effectué de correction d'exposition, ce qu'on appelle aussi indice de lumination, car j'avais assez de lumière et surtout pas de volonté de créer une ambiance surexposée ou dans l'ombre. Alors dans le cas où on veut effectuer une surexposition ou une sous-exposition, voilà, c'est ce bouton ici qu'on utilise et on peut donc surexposer. Hein. Donc là je surexpose ce qu'on appelle done IL, hein. Voilà, indice de lumination. Ou je peux sous-exposer d'un IL, mais il y a des incidences, vous voyez, sur l'ouverture et sur la vitesse. Hein. J'étais aussi en mode manuel, hein, au niveau de l'autofocus, hein, je précise. Voilà, là vous avez la molette qui vous permet de passer de l'autofocus au mode manuel. J'étais en mode manuel et je me suis mis en mode de mesure spot, et ici, pour faire en sorte que le papillon lui-même soit bien net. Pour résumer, alors voilà, l'écran qui résume un petit peu les réglages que j'avais pour le papillon. Hein. Une vitesse assez élevée, 1,350, bon là c'est 1,320, mais c'était 1,350 le jour même. Une ouverture de 6,3 hein, qui m'a permis d'effectuer un joli bokeh, hein, ce qu'on appelle le flou artistique. Mode autofocus en manuel, donc pas d'autofocus mais en manuel. J'étais donc en mesure spot, sensibilité 100 et donc correction d'exposition 0. Hein. J'avais ni surexposé ni sous-exposé. Voilà, c'était donc la vidéo numéro 2 qui concernait la photo du papillon avec le type de matériel utilisé, les réglages choisis. Merci et à bientôt. Alors, suite de la photo de A à Z consacrée au papillon. Donc cette vidéo vous montre comment j'utilise le logiciel Lightroom qui me permet le tri, le choix des photos et le développement, donc le développement pas à pas qu'on verra dans la dernière vidéo. Alors je rentre à la maison, j'enlève donc ma carte mémoire de l'appareil photo. Alors, à signaler aussi que j'ai deux cartes mémoire en photo, hein, il vaut mieux avoir tout en double. Donc c'est une carte mémoire de 32 Go, l'autre j'utilise plutôt pour la vidéo. Voilà. Sur le bureau, donc j'ai créé un répertoire Serra Papillon avec toutes mes photos à l'intérieur. Sur Lightroom, je crée un nouveau catalogue. Et vous voyez ce catalogue, donc je vais l'appeler Papillon. Je vais le mettre dans le répertoire que je viens de créer, Serre au papillon, voilà, avec toutes les photos à l'intérieur, vous voyez ici. Donc je crée un nouveau catalogue, voilà qui est fait. Donc là, vous voyez, j'ai bien papillon.lr4, hein, alors un fichier, ce fichier que je vais retrouver dans mon répertoire Serre à papillon, hein, avec les photos, vous voyez, ça m'a créé un nouveau répertoire papillon. Ces fichiers correspondent
à toutes les opérations que je vais effectuer sur ma série de photos dans Lightroom. Alors je reviens sur Lightroom, vous voyez, c'est très facile, je suis dans le module bibliothèque, toujours, et Lightroom va me demander d'importer donc les photos du papillon. Ce que je fais, j'importe les photos du papillon. Voilà, donc je vais aller les chercher dans le répertoire que je viens de créer sur le bureau. Voilà. Donc j'ai toutes mes photos. Alors, je peux déjà, moi je ne le fais pas, mais éliminer certaines photos que je ne veux pas importer, qui sont vraiment. Donc je suis sûr que qu'elles sont inutilisables, ou que j'ai oublié de supprimer au moment du shoot. Hein. Bon, voilà. Moi je garde tout et puis je supprime plutôt dans une deuxième après. Donc j'importe donc ces photos. Voilà. On va attendre un petit peu que tout soit chargé. Je me rends dans le module développement. Donc je change de module. Je clique sur le développement. Alors je fais un premier tri en fait. Vous voyez, donc ça me permet de faire un premier tri, d'éliminer, de dire voilà, celle-là, je veux la garder ou je veux la développer, pas celle-là. Alors celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle n'a aucun intérêt. Mais peut-être celle-ci, on voit l'insecte d'un peu plus près. La suivante. Voilà, celle-là, aucun intérêt non plus, etc., etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je clique en haut à droite de la vignette pour l'insérer dans ce qu'on appelle une collection rapide. Donc, par exemple, si je garde la deuxième, je vais ici cliquer sur collection rapide. Voilà, si je gardais celle-ci par exemple, etc., etc. Donc moi, en général, mes séries font entre 150 et 200 photos quand j'y passe quelques heures. Donc tout dépend de la durée, mais c'est à peu près cet ordre d'idée. Là, il y avait 154 photos. Donc une première revue de chaque photo est nécessaire. Sinon, on passe sa vie à traiter les photos. Hein. Peut-être pas. On peut toujours revenir après, hein, si on n'est pas satisfait de notre tri, premier tri, on peut toujours revenir sur les premières photos, ça ne les supprime pas du tout. Hein. Je vais garder en fait, ces quatre-là. Alors, une fois cliqué toutes les photos que je veux traiter, enfin, si je clique dans la barre ici, je peux accéder à ce que j'appelle la collection rapide. La collection rapide, c'est justement les photos que j'aurais sélectionnées, voilà, qui apparaissent ici. Donc là, j'ai mon tri. Je peux toujours revenir hein, sur la première, toutes les photos. Hein, je retrouverai toutes mes photos. Donc collection rapide, c'est 7 photos. Je vais me concentrer sur ces photos et je vais les traiter. Alors, il faut savoir que le traitement doit durer, tout dépend du temps que vous avez, mais un traitement de photos, en moyenne, ça dure quelques minutes, hein, 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Mais voilà, ça ne peut pas durer plus de ces 10 minutes à peu près environ. Pas besoin de plus. Ou alors après faire de la retouche locale, etc. Mais un traitement de base, on va dire, dure 10 minutes. Donc je vais donc vous présenter dans la dernière vidéo un traitement poussé, hein, pas à pas, pour passer de cette photo à gauche à la photo de droite. Étant donné que dans le cas de cette photo, elle a été assez réussie, on va dire, sur le moment, j'ai pas touché non plus à la composition, c'est-à-dire j'ai pas recadré. Vous voyez. Un traitement consiste à embellir une photo sans la dénaturer, hein, faire ressortir les couleurs, les contrastes, la recadrer si besoin, etc. Mais c'est tout, ça doit s'arrêter là. C'est un traitement de base que je vous montre donc dans la dernière vidéo. Merci, à bientôt. Nous voici dans la rubrique
une photo de A à Z dans le module développement de Lightroom. Deux petites précisions avant de commencer le traitement. Je choisis de travailler avec les fichiers bruts, c'est-à-dire des fichiers RAW. Alors, le principal avantage de récupérer un fichier RAW brut de capteur est de pouvoir utiliser l'ensemble des données captées par la lumière, par l'appareil photo, au moment de la prise de vue. Pour des photos qui ont été prises dans des conditions difficiles, shooter en RAW peut être très utile au photographe au moment du traitement. Le logiciel de traitement utilisé, c'est Lightroom, mais il faut savoir, alors que c'est un logiciel payant, il y a des logiciels gratuits qui permettent de traiter les fichiers bruts de capteur. En fait, le format des fichiers bruts vont dépendre de la marque de votre appareil photo. Tous les traitements de chaque photo, de chacune de mes photos, en fait, j'observe globalement le cliché, puis j'en observe aussi les sujets. On peut apercevoir donc dans l'histogramme, hein, qui est le même, l'histogramme que vous voyez en haut à droite, qui est identique à celui de votre appareil photo hein, quand vous prenez une photo, on aperçoit que les tons foncés sont bien supérieurs aux tons clairs. Il y a peu de tons clairs, beaucoup de tons foncés à gauche, c'est-à-dire qu'il va falloir revoir l'exposition. La deuxième observation, c'est une observation plus locale, c'est-à-dire que là, entre le papillon, le sujet principal et le fond, je pourrais aussi agir sur les contrastes et sur leur luminosité respective. Vous voyez aussi qu'en cliquant sur le petit triangle en haut à gauche, qui symbolise en fait les zones bouchées, donc je clique, et vous voyez, on peut observer en fait en bleu toutes les zones bouchées qu'on va pouvoir déboucher à l'aide du curseur exposition, on va voir tout à l'heure. Donc avant de commencer le traitement plus détaillé, je peux vous montrer la version finale. Voilà, vous voyez une belle différence, hein, le mot va bien, hein, entre la version brute de capteur et la version finale, avant recadrage. Hein. Alors la première chose à faire est de vérifier si la balance des blancs est bonne, sachant que sur le terrain on n'a pas toujours le temps de régler cette balance. Un petit coup de curseur, ce premier curseur-là, je choisis une zone qui devrait être blanche, comme voilà, cette partie claire du papillon. Donc ça c'est la première chose à faire. La balance des blancs. Alors, moi je vous conseille de suivre de haut en bas en fait les différents traitements proposés par Lightroom. Hein. On suit les différents réglages et on obtient à la fin un traitement satisfaisant. Donc une fois la balance des blancs effectuée, donc je me concentre sur l'exposition. Donc là, comme l'histogramme le montre, la photo globalement mériterait d'être un petit peu plus exposée, donc je vais augmenter. Voilà, pas trop non plus, mais 0,95, ça me paraît bien pour l'exposition. On retrouve un histogramme, vous voyez, on récupère en fait des tonalités claires et une bonne quantité de pixels présents. J'ai augmenté légèrement le contraste, voilà, pour là aussi retrouver un petit peu de force dans la photo, pas trop, 7 ou 8, une dizaine. Augmenter un petit peu les hautes lumières. Voilà, sans que. Alors là, toujours surveiller l'histogramme hein, en haut à droite. Alors trop de hautes lumières, souvent crame la photo. Et inversement, bouge la photo. Donc là, voilà, on peut augmenter un petit peu sans trop cramer la photo. C'est souvent à cette étape-là que je me rends compte, là c'est le cas. Il y a une zone un petit peu cramée, hein, en fait, qu'on pourrait simplement effacer en recadrant l'image, tout simplement. Moi, j'enlève la partie cramée comme ça, et en haut aussi un petit peu, on peut voilà, recadrer, ça sera fait, l'image comme ça. Au niveau des ombres, j'ai choisi de diminuer un petit peu l'ombre de façon à ce que le papillon ressorte un peu du fond. Hein. Donc, on va même y aller un petit peu fort, moins 30. Vous voyez, le papillon ressort. Moi, j'aime mieux comme ça. Le fond est plus foncé et ça me plaît mieux. Donc, je vais diminuer un petit peu de 20, 25.
Alors vous voyez qu'on a retrouvé des ondes bouchées. Donc on peut avec l'histogramme enlever ces ondes bouchées tout simplement en décalant comme ça le curseur sur la droite. On enlève un petit peu ces ondes bouchées. Ce qui revient en fait, vous avez vu, à augmenter les noirs. Hein. Donc on peut les augmenter à fond. Voilà. Ça enlève les zones bouchées. Présence, donc. Alors évitez en fait de diminuer la clarté. Hein. Ça donne un effet un petit peu flou qui n'est pas très joli. Par contre, vous pouvez l'augmenter. Donc là, je vais l'augmenter d'une valeur de 20 pour faire ressortir les détails. La vibrance, donc on va faire ressortir cette fois les couleurs. Donc vous voyez, pousser, c'est pas très joli, hein, mais ça fait ressortir les couleurs. Alors j'aime assez ce curseur, la vibrance, parce qu'en fait il sature les couleurs, mais en fait il considère que certaines couleurs sont moins à saturer que d'autres. C'est lui qui travaille tout seul, donc si je sature un petit peu les couleurs. La saturation, je peux l'augmenter, mais légèrement. De quelques, voilà, 5. Alors, passons à la courbe des tonalités. Un curseur dont je me sers beaucoup, c'est le petit bouton ici qui me permet en fait de régler la courbe des tonalités en fonction des zones, des couleurs choisies. Si je choisis de faire en sorte que la barrière derrière se voit un petit peu moins, soit un petit peu moins visible, je peux diminuer donc avec en cliquant gauche sur la souris, en laissant mon doigt cliquer gauche sur la souris, je diminue les tons qui correspondent au ton de la barrière, ce qui fait ressortir un peu le papillon. Alors passons au niveau des couleurs. J'aimerais quand même diminuer un peu le rouge hein, que je vois derrière la barrière. Donc cette petite tache rouge, je vais la diminuer un petit peu, hein, donc diminuer les saturations des rouges. Voilà, je préfère quand même garder la couleur qui donne un petit équilibre à la photo hein, entre le jaune, le vert, le marron et le rouge. Voilà, c'est un choix, hein, encore une fois, un choix personnel. Je ne touche pas aux autres couleurs, je peux légèrement peut-être saturer le jaune, le papillon, mais léger, hein, après. Vous verrez un peu, donc augmenter de 5, agir aussi sur le végétal. Là. Alors vous voyez le même type de curseur hein, pour agir directement sur une des luminances. Donc là, je vais agir sur le jaune et augmenter un petit peu la luminance ou la diminuer. Je préfère peut-être un peu la diminuer. Pour là aussi faire ressortir le papillon. Voilà qui est fait au niveau des couleurs. Pas de virage partiel, on verra peut-être dans une autre photo de quoi il s'agit, à quoi ça peut servir, mais dans ce cas-là, je ne m'en sers pas. La netteté. Alors. Vous voyez, vous avez un petit aperçu d'une zone de la photo ici. Donc c'est le bout de l'une des antennes du papillon. Alors je peux tester l'augmentation de la netteté. Alors vous voyez, si j'augmente la netteté, ça augmente le bruit. Le bruit numérique sur la photo. Mais je peux augmenter la netteté et en utilisant le curseur masquage. En fait, je vais sélectionner une zone. Voilà, donc là, je vais agir sur la netteté de ce que je vois sur la photo. En appuyant sur Alt, vous pouvez. Alors là, voilà, je choisis le papillon. Donc, je laisse une netteté à 100 et je peux légèrement augmenter la luminance pour réduire le bruit. Mais là aussi, hein, pas trop pousser sur le curseur, sinon le papillon devient un peu plastique, vous voyez. Même beaucoup plastique, donc il n'y a plus de bruit numérique, mais plus de détails non plus. Alors dans le cas de cette photo, je pourrais utiliser, alors c'est pas une obligation, mais je pourrais tester la retouche locale de Lightroom qui se trouve ici. Donc en sélectionnant cet outil-là,
Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous voyez, différente du traitement global. Hein. Là, on va agir sur, en fait, la zone choisie, c'est-à-dire le papillon. Alors, je peux afficher l'incrustation de masque, ici, le cocher. Et en cochant, tout ce qu'on va, on va peindre en rouge, la zone souhaitée, en fait, qu'on veut retoucher. Alors, on peut l'augmenter avec la molette de la souris, voilà, pour aller plus vite. Ouais. Alors, je peux utiliser la touche Alt pour enlever les zones non souhaitées. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mon papillon sélectionné. Alors, attention avec l'outil retouche locale, hein, on peut vite dénaturer la photo. Hein, donc, moi, je l'utilise avec parcimonie. Alors, attention à la température de couleur, hein, laissez bien à 0, sinon tout devient jaune et dénature le papillon. L'exposition aussi, on peut l'augmenter un petit peu, pas trop. Les hautes lumières, voilà. La netteté, on peut l'augmenter un petit peu pour le papillon. On peut revenir sur la globalité de la photo et faire un comparatif, hein, avec le début. Alors, une fois que la retouche terminée, on peut cliquer sur « Terminer » en bas à droite et comparer, faire un comparatif avec la photo d'origine. Et vous voyez que elle est un petit peu améliorée quand même. Alors, à noter que j'ai effectué un recadrage de 45 degrés, hein, rotation horaire de 45 degrés. Voilà, c'est un choix aussi. Donc voilà pour ce traitement du papillon. Je vous souhaite de très bonnes photos et à très bientôt. Au revoir.
Voilà, le comparatif avant-après qui montre que le traitement n'a pas été vain, qu'il sert à quelque chose et que